monter des clameurs, faisons monter des clameurs, faisons monter des clameurs. David déclare que notre Dieu s'avance au cri de triomphe de son peuple. Faisons monter des clameurs. Le Seigneur fait son entrée. Notre adoration commence pendant que nous faisons monter des clameurs. Parce que cela annonce le roi. Le roi est en ce lieu. Le Seigneur des Seigneurs. Le roi de gloire. Toi qui es digne de louange et d'adoration. Notre sauveur. Notre bon péché. Le rédempteur. Quelqu'un a-t-il reçu la grâce cette semaine? Qu'il acclame le Seigneur. Quelqu'un a-t-il reçu la santé? Qu'il acclame le Seigneur. Quelqu'un a-t-il été exaucé? Qu'il acclame le Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur, pour ta victoire. Merci, Père, pour ta vie. Car nous savons que tu es au centre de notre vie. C'est toi le fondement de notre vie. C'est toi l'alpha et l'oméga. Seigneur éternel, tu es celui par qui nous sommes, pour qui nous sommes. Et nous élevons la voix pour te célébrer. Il y a une puissance dans
plus fort que le plus fort. Tu es plus haut que le plus fort. Tu es meilleur, meilleur que le meilleur. Toutes les montagnes qui sont réunies, quelle que soit la grandeur d'un homme, si le souffle de vie lui arraché, Karada Sababa, il tiendrait pas sur ses pieds. Et mon Dieu a le dernier mot, Jésus a le dernier mot. Jésus a pu rompre toute situation de condamnation, de malédiction, de limitation. Mon Jésus est plus grand, mon Jésus est plus grand, mon Jésus est plus grand. Il terrasse les ennemis, il terrasse les sorciers, il renverse les forteresses. Mon Jésus est plus grand. Si quelqu'un peut simplement lever la main à Jésus. Est-ce qu'on peut lever la main à Jésus?
à ton amour. Il n'y a pas de limite à ta miséricorde. Mais qui est comme toi, grand Dieu? Karadashaka. Je te dis.
Dieu n'ait pas vu de roi comme toi.